mes très chers, un petit tirage sur la question, vous les natifs du premier de mois, comment allez-vous passer la fin de l'année novembre et décembre, la fin 2022? Eh bien, nous allons regarder ceci tout de suite. Donc, je prends mes arcanes majeures, je fais le chaos. Et je tire une première carte qui sera la carte qui correspond à vous-même, une deuxième carte qui correspond aux forces du présent. Donc comment est-ce que les guides pourraient nous dire comment vous allez passer la fin de l'année 2022, les forces du présent. Ici, nous allons avoir la carte de votre devenir. 2, 3. La quatrième carte va nous donner des conseils par rapport à votre relationnel. La cinquième carte aussi. Et la sixième va nous donner les obstacles à surmonter. Et la septième, la réponse pour votre fin d'année. Donc, nous sommes ici dans notre petit tas. Donc, je vérifie, j'ai bien une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, ici, 1, 2, 3, 4. Donc, ici. Je retourne donc la carte de vous-même, le consultant. Bien, écoutez, c'est quand même extraordinaire que ce que les guides sont interpellants, puisqu'on est en train de parler de vous, les natifs, du premier du mois. Et qu'est-ce qu'on retire au niveau de la carte du consultant? On retire le battleur. Donc, si on ne croit pas aux cartes, on ne peut quand même qu'être interpellé, puisque là, vraiment, c'est le hasard du tirage qui fait que le consultant correspond au battleur. Moi, ça m'impressionne toujours de voir ces coïncidences. Alors, en deuxième, les forces du présent. Alors, on est en pleine possession de nos moyens, puisque au jour d'aujourd'hui, on jouit d'une force très importante. Donc, vous voyez que la carte de la force, elle écarte la gueule du loup. Attendez, c'est un loup, non, c'est un lion, pardon, ou un loup ou lion, c'est un lion, de manière à dompter l'adversité. Donc, elle a l'énergie pour dompter l'adversité et garder son autonomie et sa souveraineté. Donc, fabuleux, vous êtes en pleine forme. Et puis ici, au niveau de l'avenir, on vous parle de voyage. On vous parle que donc dans les deux derniers mois de l'année, vous aurez peut-être à entreprendre un déplacement ou une nouvelle activité, ou déménager, ou sortir en fait de votre garage pour pouvoir mettre en action du mouvement. Voilà, on vous parle du mouvement. Donc la voiture est sortie du garage, on arrête de tergiverser, on avance. Ici, la vie et l'attitude par rapport à votre entourage. Alors ici, on sort la carte de l'ermite. Donc l'ermite vous dit attention, prudence, allons-y lentement, n'allons pas trop vite, réfléchissons bien à qu'est-ce qui nous vient de l'intérieur, n'écoutons pas trop les sirènes autour. Ce voyage sera donc guidé par notre intériorité, au service de notre intériorité, sans se préoccuper des autres. Ok, on nous amène un petit peu de lenteur, il ne faudra pas aller trop vite. Le deuxième conseil attitude au niveau de l'entourage, donc ça nous donne le soleil, donc c'est des jolies énergies, une résolution peut-être de nos histoires d'enfance, si ce n'est pas encore fait, il y aura à avancer dans l'intériorité par rapport à notre histoire d'enfance, aux guérisons des blessures, ou en plus, la réussite totale sur notre voyage, sur notre fin d'année 2022. Ensuite, les obstacles à surmonter ou à éviter. Alors ici, on a l'empereur, mais on l'a à l'envers. La réussite viendra
La réussite professionnelle est prévue, elle viendra au bout du voyage. Et ici, la réponse, c'est que la réponse à l'interrogation, mais qu'est-ce qu'on a à faire ces deux derniers mois de l'année quand on est natif du premier du mois, que ce soit n'importe quel mois, hein, je répète. Donc, on va avoir comme réponse de ce jeu, qu'est-ce qu'on va faire ces deux derniers mois, comment ça va se passer, eh bien, on aura à faire des choix. Puisque la carte de l'amoureux, c'est la carte de l'indécision, du choix. Donc, il va falloir qu'on prenne des décisions et qu'on choisisse une voie. Alors, ça peut être l'une ou l'autre voie, mais évitez d'hésiter. Avancez dans la voie, une des deux voies qui est proposée, sans y mettre d'angoisse. Allez, on fonce. Donc, quand vous prenez une voie, même si après on veut en changer, c'est toujours possible. Donc, à la limite, pourquoi s'angoisser ? On avance. Ça, c'est donc la réponse. Il y aura aussi certainement ces deux derniers mois de l'année à avoir une action créative, puisque c'est la carte aussi de la créativité, de l'artistique. Donc, inventer des nouvelles façons de fonctionner. Donc, quand je regarde ce jeu pour vous, les détendeurs, enfin les natifs du premier du mois, en répétant, en résumant, vous avez donc, comme par hasard, arme étrange des choses en avant en ce moment. Vous êtes en train de remettre votre vie en route, de recommencer des choses. Vous avez la force nécessaire pour le faire, pour combattre l'adversité et avoir l'énergie de faire. Il y a quelque chose à bouger au niveau du mouvement, mais le faire avec le conseil de bien écouter son intériorité et pas trop vite avec lenteur, de manière à tirer les leçons du passé. Et la réussite est prévue dans la mesure où on règle ces histoires d'enfance qui ne sont pas encore réglées. La matérialité, la réussite matérielle est en devenir. Et là, le résultat, c'est qu'il va falloir être créatif et se bouger le popotin pour inventer des nouvelles choses dans sa vie ou dans sa façon de fonctionner. Voilà ce que je pouvais dire pour les deux derniers mois de l'année en ce qui concerne les natifs du premier du mois. Eh bien, mes très chers, si cette forme de tirage vous convient et vous appelle à des questions, si elle vous convient, n'hésitez pas à me faire des commentaires. Je vous remercie pour vos pouces bleus, vos partages. Et pour la prochaine fois, nous ouvrirons les possibles des personnes qui sont nées le 2 du mois. Je vous remercie et vous dis à très bientôt.